Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi dans cette salle Alain Toya, salle de la Rotonde, en compagnie de Madame Carmen Castro-Mauvoisin, adjointe en charge des affaires sociales sur la commune de Jacquemont, en compagnie également de deux de nos jeunes conseillères municipales ici présentes, et puis avec Monsieur Lamoureux de l'association Action. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour que M. Lamoureux vous parle du projet que nous avons porté au cours de cette campagne électorale, Ma Commune, Ma Santé. Donc, dans le déroulé, je vais faire un long monologue, hein, que ça soit actif. Je vais vous présenter notre association, comment nous fonctionnons, ce que nous pouvons vous proposer à travers un support visuel dont la qualité laisse à redire. Donc, ce que je ferai un petit peu de lecture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des questions, en tout déroulé, vous n'hésitez pas. Alors, à ce jour, nous avons fait mutuelle, et avec les langues, on a des garanties qui peuvent être un peu précisées. Eh bien, parce que, premièrement, ça m'intéresse de m'impliquer dans les choses qui se font dans la ville. Et particulièrement, pour moi personnellement, c'est important parce que je suis en fin de portabilité. Donc, à partir du mois prochain, je me trouve sans mutuelle. Et donc, j'ai des devis de partout. Et là, c'est très intéressant justement de voir quand on se groupe, on est plus fort. Et donc, si ça baisse mensuellement le montant, c'est très important parce que ça ne pousse pas sur le dos, comme on dit. Ben, sur proposition de la mairie pour éventuellement avoir une mutuelle à un prix attractif avec de meilleures conditions que ce qu'on a aujourd'hui, pourquoi pas, hein. Donc on est venu voir la présentation de cette nouvelle mutuelle et prendre prise de rendez-vous pour comparer avec nos garanties actuelles et nos besoins surtout.